ces néo-ruraux, donc, ce sont des populations venues de la ville. Alors, l'expression de néo-ruraux a été forgée par l'administration au milieu des années 70. Ces personnes venues de la ville emboîtent le pas des mouvements contre-culturels qui sont partis des États-Unis puis qui ont gagné l'Europe en commençant par le Nord. Et donc veulent fuir les contraintes de la société industrielle, capitaliste et urbaine pour aller inventer dans des espaces désertifiés qui sont victimes de cette même société un mode de vie reposant sur des valeurs donc opposées à celles de la société dominante. Le mouvement de mai 68 a été un accélérateur de cette démarche, mais il n'en est pas à l'origine, puisque avant les cinq vagues de néo-rurales qu'on peut distinguer, il y a eu quelques précurseurs dès le début des années 60, comme par exemple Pierre Rabhi, qui est bien connu au-delà évidemment de l'Ardèche, qui s'est installé donc dans le sud de l'Ardèche en 1961 pour les mêmes raisons. Donc c'est cette contestation des Trente Glorieuses, des méfaits des Trente Glorieuses, elle apparaît donc dès le début des années 60. Donc cette démarche sera beaucoup plus relayée après 1968. Il faut aujourd'hui vraiment que l'humanité se pose la question, le progrès pour quoi faire ? Et ensuite, enfin, je dirais même avant, qu'est-ce que vivre ? Voilà. Et on a tendance à se dire, voyant la détresse des gens et la difficulté des gens, plutôt que de se demander existe-t-il une vie après la mort, on a plutôt tendance à se dire est-ce qu'existe-t-il une vie avant la mort ? Parce que si c'est vivre, c'est s'agiter, consommer, etc., moi je n'appelle pas ça de la vie. Ça n'a aucun intérêt. À partir de 68, on peut distinguer cinq vagues successives qui ont chacune un profil et des motivations assez différenciées, correspondant enfin, à chaque fois en phase avec l'évolution du contexte général, hein, sur le plan économique, social, politique. Mais il y a toujours une filiation quand même d'une vague à l'autre. Alors la première de ces vagues, c'est celle qu'on appelle la vague des marginaux ou des hippies, qui commence, alors on en voit apparaître quelques-uns dès 67, par exemple la première communauté fondée en Ardèche remonte à 67, puis surtout donc après 68 et ça culmine en 1973. Donc c'est la vague des communautés libertaires, hippies. Et là, l'Ardèche est pionnière en la matière, puisque dès le départ, il y a une dizaine de communautés pour aboutir au maximum une quinzaine. 68, c'était juste un révélateur. Mais depuis longtemps, à Paris, puisque je viens de Paris, depuis longtemps, on parlait de ça, des phalanstères, des communautés. Bon, ben, le partage équitable des responsabilités, du travail et des fruits du travail, que chacun ait ce qu'il lui faut en utilisant les moyens qu'il a. C'est pas une sélection soit par l'argent, soit par la force, soit enfin tout comme ça. Soit partage équitable, tout le monde trouve un peu son bonheur, au moins le minimum pour vivre. Alors évidemment, le faire avec tout le monde, c'est pas possible. Se mettre en groupe, s'isoler un peu. Et puis le faire avec des gars qui pensaient comme ça, bon, ben on pensait que c'était la solution. On peut estimer qu'il y a entre 300 et 500 communautés en France entre 71 et 73. Ça fait au total 5000 à 10 000 communards, donc permanents l'hiver. Et puis l'été beaucoup plus, puisque c'est une saison de circulation, de passage. L'été, on serait à 30 à 50 000 personnes séjournant dans les communautés, selon Roger Paul-Droit, donc, qui a fait une enquête en 1972 à travers la France. Puisque donc l'été, beaucoup de gens vont rendre visite dans ces communautés pour essayer de voir si eux-mêmes pourraient pas tenter l'expérience, etc., pour voir comment ça fonctionne. Et donc il y a énormément de circulation l'été. Sans compter aussi que l'été est aussi la saison où les enfants de paysans reviennent au pays pour les vacances. Et donc ça fait beaucoup de monde finalement, et puis des occasions aussi de conflits à ce moment-là. Ceux qu'on appelle les hippies maintenant, les babas, tout ce qu'on veut,
Mais ils arrivent à plus, ça, maintenant. C'est-à-dire qu'ils arrivent, bon, bah, ils ont pas de fric, ils sont ensemble, et puis ils rigolent, et puis c'est tant mieux. Et puis plus il y a de monde, et puis plus on est bien. Et puis, bon, bah, on danse, on chante, on fait n'importe quoi, mais on est bien. Puis ça, c'est bien. Et puis, si t'es en usine, si tu travailles 8 heures par jour, et puis que tu dois rentrer dans ton immeuble, eh ben, c'est pas possible. C'est-à-dire que le lendemain, tu dois être au boulot, tu dois te lever à 6 heures du matin, tu dois être au boulot à 7h30, et puis c'est pas possible de rester jusque minuit. Puis moi, si je reste jusque minuit, même si le lendemain, je dois me lever à 8h, 9h, eh ben c'est rien, parce que je piquerai un petit roupillon en gardant les chèvres. Cette première vague en Ardèche, donc j'ai parlé d'une quinzaine de communautés, elles sont implantées surtout dans la partie sud-ouest de l'Ardèche, qui correspond aux Cévennes, et puis dans une région aussi de l'ouest qu'on appelle les Boutières. Ces deux régions sont des régions de pente très fortes et ont été donc désertifiées très, très tôt, depuis le milieu du 19e siècle. Et donc c'est dans ces régions où il y a du foncier disponible, où les prix sont très bas, que les néo-ruraux donc, trouvent à s'installer en priorité parce que les villages ont été désertés. Par contre, on trouve moins d'implantations néo-rurales dans le Bas-Vivarais, dans les hauts plateaux limitrophes de la Haute-Loire, et puis dans le Haut-Vivarais, même s'il y a certains secteurs du Haut-Vivarais, donc autour de la Mastre, Saint-Félicien notamment, qui ont des implantations néo-rurales. Cette première vague a été la plus connue et la plus médiatisée à cause justement du projet un peu radical dont elle était porteuse. Elle voulait en effet donc refonder la société et l'économie capitaliste par l'exemplarité, en essayant donc de construire une vie collective fondée donc sur des valeurs opposées à celles de la société dominante. Et dans cette démarche, donc, elle se nourrit beaucoup de l'opposition aux guerres coloniales et puis des revendications politiques qui ont été déçues au lendemain de mai 68. Donc, cette première vague crée une impulsion et on voit donc arriver à partir de 1975 une deuxième vague qui représente la majorité des néo-ruraux et qui a un projet quand même assez différent. Qui ne cherche pas à construire donc une société alternative, mais qui cherche plutôt à s'insérer dans la population locale et à construire une vie qui permette de subsister économiquement. Donc il y a des projets beaucoup plus construits, il y a une réflexion au départ qui est beaucoup plus grande dans cette vague. Qui cherche donc un revenu, une certaine intégration sociale, un mode de vie plus sain. C'est une vague qui est portée par les aspirations écologistes. Et on se rappelle que René Dumont donc, était en 1974 le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle. Et donc c'est dans cette vague qu'on trouve les néo-ruraux les plus nombreux. Si on veut avoir des exploitations, il faut avoir des sièges d'exploitation, il faut avoir des espaces qui peuvent se tenir dans le temps, enfin qui soient pérennes. Et il faut avoir des gens qui veuillent travailler, pratiquer l'agriculture ou l'élevage. Et ici, la commune de Saint-Dizier, c'est l'élevage. Cette deuxième vague, en fait, est rejointe en partie par des néo-ruraux de la première vague qui, les années passant, les enfants venant, se préoccupent de construire une vie peut-être un peu plus réaliste. C'est ce que Bertrand Hervieux et Daniel Léger, donc des sociologues qui ont enquêté dans les Cévennes ardéchoises, gardoises et lozériennes dans les années 70, ont appelé le déplacement de l'utopie. Donc ils ont observé ce déplacement entre le début des années 70 et la fin des années 70. Donc une conversion d'une partie des néo-ruraux de la première vague, une fois la grande majorité repartie, vers donc un mode de vie et d'insertion moins décalé donc par rapport à la société dominante. Ce déplacement de l'utopie en fait correspond à la fin de la croissance économique et à l'entrée dans la dépression, et il véhicule donc une nouvelle représentation du sens de la vie qui remplace la croyance dans un progrès infini, porteur de bonheur pour l'humanité. Et cette nouvelle représentation de la vie donc se diffuse petit à petit par capillarité
dans une partie de plus en plus grande du corps social. On distingue ensuite deux autres vagues qui empruntent donc la voie qui a été ouverte, mais se différencient assez nettement par leur composition sociale et leur motivation des deux premières. Ces vagues donc arrivent à un moment où le mode de vie urbain a déjà gagné la campagne et elles optent par choix pour la troisième et par défaut donc pour la quatrième vague, non plus pour la campagne en raison du genre de vie qu'elle permet, mais pour la campagne en raison du cadre de vie qu'elle offre. Donc c'est une migration qui recherche un cadre de vie plutôt qu'un genre de vie, à la différence des deux premières. Alors ces différences ne créent pas des cloisonnements, puisque les néo-ruraux des deux premières vagues partagent souvent des affinités culturelles ou même idéologiques avec ceux de la troisième vague qui sont des gens venus exercer leur profession à la campagne. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne changent pas de métier, mais qui exercent la même profession qu'ils exerçaient auparavant en ville, simplement là, donc à la campagne. Alors cette troisième vague arrive entre 1985 et 1995, puis elle est suivie d'une quatrième composée de gens qui sont en grande précarité économique, sociale, culturelle et qui viennent à la campagne en pensant pouvoir vivre à moindre coût et tout en bénéficiant d'une plus grande solidarité. Karine et Christophe vivaient de petits boulots à Périgueux. Leur solution pour oublier les galères, reprendre un bar-tabac-épicerie à la campagne. Le couple est prêt à tout pour réussir leur changement de vie. Alors cette quatrième vague qui est extrêmement différente sur le plan du niveau social, la situation sociale des trois précédentes, n'est pas laissée de côté puisque les néo-ruraux des deux premières vagues en fait vont ouvrir les réseaux qu'ils ont créés pour échanger sur leurs pratiques et sur leurs réflexions à une dimension d'insertion et vont s'occuper de cette quatrième vague de néo-ruraux en grande précarité. Et cette quatrième vague, donc on la situe entre 1995 et 2005. Et puis donc plus récemment, on a vu arriver depuis 2005 une cinquième vague qu'on qualifie parfois de nouveaux autarciques ou de prolétaires cognitifs, qui appartient à la mouvance libertaire, plutôt altermondialiste, radicale, écologiste aussi, et qui inclut en fait tous les nouveaux mouvements sociaux. Les membres donc de cette vague s'installent là aussi de manière subie ou choisie, hors de tout cadre réglementaire, dans des tipis, dans des cabanes, dans des yourtes. Et on peut dire qu'ils renouent d'une certaine manière avec la radicalité de la première vague, dans une démarche politique qui est porteuse aussi d'un projet de société. Et donc ça les rapprocherait de la vague communautaire post-68arde. Ils sont souvent confrontés à une politique de décabanisation des pouvoirs publics, donc ils cherchent à détruire ces habitats précaires. Et ils sont souvent aussi en conflit avec les édiles locaux et diversement accueillis par les habitants. Ça, c'est une typologie donc qui est nécessairement simplificatrice parce que à l'intérieur de chaque vague, il y a des vagues plus courtes, etc. Cette typologie ne rend pas compte non plus des raisons profondes qui explique certains choix de vie et d'action. Donc ce qu'on peut constater, c'est que depuis les années 60, la migration néo-rurale s'est complexifiée sur les plans à la fois spatial et social. Elle concerne un nombre croissant de communes et de profils, alors qu'elles sont répertoriées de manière assez imagée par les nouveaux habitants eux-mêmes, qui distinguent ainsi donc les archéos pour les autochtones, les néolithiques pour les néo-ruraux post-68ard, les néo-néo pour les 3e et 4e vagues, et les alters ou réfugiés de la décroissance pour la 5e vague. Avant, les gens qui habitaient ici, c'était tous des agriculteurs. Oui. Et maintenant, en fait, des agriculteurs, il n'y en a plus que deux. Les autres, il y a beaucoup d'artisans, énormément de résidences secondaires, donc les artisans ont beaucoup de travail. Puis il y a quelques personnes chez qui travaillent, qui font des travaux à domicile. Mmh. Et puis quelques personnes qui vivent de l'air du temps. Donc globalement, donc ces différentes migrations ont permis donc la progression démographique des arrière-pays, dont elles ne sont comme qu'une composante, puisqu'il faut aussi ajouter les retraités, qui sont aussi une partie importante. Mais en tout cas, ça rend la société locale beaucoup plus diverse et complexe en matière d'origine géographique, sociale, d'identité, de valeurs, de ressources, de modes de déplacement et de vie. Et ça génère donc une vitalité continue en fait, qu'on observe depuis les recensements de 75 au 82.
C'est une migration, alors surtout la première vague qui était assez hétérogène, mais aussi très fluide, avec beaucoup de déplacements à l'époque des communautés, entre les communautés, beaucoup de redéparts très nombreux. On rigole bien au café quand on parle de vous, tu sais. Ça, pour mettre de l'animation dans le coin, mettez de l'animation. Toi et moi, on sait ce que c'est que la vie. Hein? Franchement, tes copains, c'est des rêveurs. C'est un rapport complexe parce que les néo-ruraux, donc en particulier ceux de la première vague, donc sont très, très différents par leur profil, leurs aspirations, et donc ils introduisent une très forte hétérogénéité dans le milieu local. Ils ont donc un niveau quand même culturel qui est globalement plus élevé que la population locale. Et ils sont donc porteurs de valeurs très différentes. La population locale est majoritairement conservatrice, surtout que l'Ardèche, bon, était un département quand même assez fermé, traditionnel, tout en aspirant quand même à la modernité, enfin la modernité proposée par la société dominante, parce que elle y voit donc le moyen d'acquérir une dignité égale à celle des autres groupes sociaux. Donc il y avait quand même un sentiment intériorisé d'infériorité du monde paysan vis-à-vis des autres groupes sociaux. À l'inverse, donc les néo-ruraux sont revenus de cette même modernité et aspirent à des valeurs qui en prennent le contre-pied et qui peuvent s'inspirer alors à la fois de certaines valeurs traditionnelles, mais aussi être en rupture avec ces mêmes valeurs traditionnelles. Tout ça crée des différences de représentation très importantes, à la fois sur l'autre et sur soi. Par exemple, les néo-ruraux ayant tendance au départ à idéaliser le monde paysan ou le passé paysan, la population locale ayant plutôt une mauvaise image d'elle-même. Ça n'exclut pas aussi dans le quotidien des rapports d'entraide ou de sympathie. Hein. Beaucoup de néo-ruraux donc sont allés demander des conseils aux paysans les plus proches pour savoir comment s'y prendre sur une exploitation agricole, comment pratiquer l'agriculture. Mais il y a des incompréhensions qui peuvent parfois déboucher donc sur des conflits qui reposent sur une opposition de valeurs. Comme les néo-ruraux donc évidemment développent un mode de vie basé donc sur ces valeurs donc opposées à celles de la société dominante, ça choque la population locale. Il y avait de la place pour s'installer. C'était devenu un désert. Tous les gens étaient partis. Enfin, les enfants d'Ardéchois étaient partis dans la vallée du Rhône ou ailleurs, travailler dans les administrations, etc. Puisqu'il y avait un appel de main-d'œuvre. Donc la place était libre. Je pense que c'est en raison pour ça qu'il y a eu beaucoup de néo-ruraux, enfin de hippies à l'époque, hein, puisqu'on nous appelait comme ça, qui se sont installés dans la partie Cévenole de l'Ardèche. Moi, je l'ai très mal ressenti, l'accueil ou le non-accueil et même quelquefois l'agressivité de Cévenol. Ça a été très dur à passer pour moi. Mais je pense que j'attendais trop des gens du pays. L'analyse, c'est ça, qu'on est leur constat d'échec parce qu'ils voient qu'on réussisse alors qu'ils ont tellement dit à leurs gosses que c'était pas possible. La population locale a l'impression que s'ils y arrivent et qu'eux ont poussé leurs enfants à partir et à faire leur vie en ville, c'est pour des raisons qui ne sont pas loyales finalement. En fait, la plupart des néo-ruraux ne vivent pas totalement de leur activité agricole. Beaucoup s'emploient comme saisonniers ou ont une autre activité qui peut être artisanale. Par exemple, beaucoup effectuent des travaux de maçonnerie. D'autres continuent à exercer une activité qui était liée à leur ancienne profession ou font des allers-retours dans les grandes métropoles pour aller vendre leurs produits. Donc, ils ne vivent pas uniquement de l'agriculture. Et puis surtout, donc, comme c'est une population qui a un niveau culturel plus élevé, elle sait monter des dossiers aussi pour obtenir des subventions. Et on est à une période où c'est le début en fait de ce type de fonctionnement. C'est quelque chose qui est inenvisageable pour le paysan qui aurait l'impression d'être un assisté en allant réclamer de l'argent au pouvoir public. Or, les néo-ruraux, donc évidemment, savent se repérer un peu dans les arcanes de l'administration, savent monter des dossiers et très vite, donc, ils apparaissent comme des, entre guillemets, chasseurs de primes. Et quelque part, les paysans locaux considèrent que c'est une concurrence finalement déloyale.
puisqu'ils utilisent des moyens qui ne proviennent pas uniquement de l'agriculture. Et puis beaucoup donc reçoivent des mandats de leurs parents. Bon, il faut savoir que pour les neuros de la première vague, à l'époque, la majorité est à 21 ans, jusqu'en 1974. Et donc, beaucoup de jeunes sont aidés par les parents qui sont très, très inquiets et qui cherchent à prendre des nouvelles, par exemple, auprès des cafetiers de la ville la plus proche où les neuros viennent donc vendre leurs produits sur le marché. Un jour par semaine, par exemple. Et donc, ça c'est vraiment un sujet qui alimente beaucoup les conversations et tous les fantasmes, de dire voilà, que ce sont, qu'une partie sont des gens très aisés, ce qui n'est pas complètement faux. Certains neuroraux appartiennent à des milieux relativement aisés et privilégiés. C'est arrivé, mai 68 jusqu'à 70. À 70, ça commençait à décliner un peu. Oui. C'est surtout qu'ils se sont mis en couple, il y a eu des enfants. Après, bon, il fallait faire quelque chose. Les communautés, tout ça, ça a éclaté. Ah oui, il y a eu des communautés, oui. Mais ça a éclaté quand même après. Ça n'a pas duré. Mais la Bacherette, c'était une communauté au départ. Oui, une communauté. Oui, mais alors c'était limite, parce que alors, il y avait des enfants de plusieurs pères, mais c'était quand même limite. Et ça n'a pas duré, ça ne pouvait pas durer, ce système-là. Ces nouvelles valeurs, donc, elles touchent par exemple à la famille, puisque les neuroruraux essayent de remettre en cause le modèle familial du couple avec enfant, surtout dans la première vague, donc en vivant en communauté, ils remettent en cause la fidélité, par exemple, la nécessité du mariage pour avoir des enfants. Donc tout ça, tout ce qui est mœurs, choque énormément la population locale, qui se traduit aussi par des tenues vestimentaires, donc plus ou moins exotiques, constituées de beaucoup d'éléments rapportés de voyages à l'autre bout du monde, par exemple, en Inde notamment, au Népal ou même en Amérique latine. L'aspect aussi chevelu qui a fait que la population donc a dénommé ces néo-ruraux très rapidement les bourrus, par exemple. Donc l'aspect des mœurs, c'est effectivement ce qui choque le plus et ce qui rend les relations peut-être les plus difficiles. Après, donc il y a d'autres valeurs développées comme le refus de la consommation et le fait de promouvoir plutôt la frugalité, développer d'autres modes alimentaires plus sains, par exemple. Alors ces fameux régimes macrobiotiques dans les communautés basées sur les céréales, surtout, qui excluent la viande. Les valeurs aussi d'autonomie qui s'opposent aux valeurs hiérarchiques qui sont très, très prégnantes dans le monde rural, hein, où le père de famille a une autorité très forte. Donc là, c'est des relations beaucoup plus horizontales. En matière d'éducation aussi, où les néo-ruraux donc, prônent plutôt l'initiative, la liberté, la créativité, alors que dans le milieu local, on prône plutôt l'obéissance, le respect des normes. Pour le milieu local, l'école est émancipatrice, elle permet d'aller vers des conditions sociales meilleures, alors que pour les néo-ruraux, l'école, c'est une institution qui est destinée à formater des individus pour le bénéfice d'une société capitaliste. Un Ardéchois qui aurait eu une maison, qu'il aurait quittée pour aller vivre à Lyon, et puis 5 ans après, 10 ans après, la maison, il sait peut-être même plus qu'elle lui appartient. Un jour, il découvre ça, il s'aperçoit que ça vaut des sous. Il vient te réclamer quoi ? Il vient te réclamer ce que sur quoi tu as travaillé, ce qui en fait t'appartient. Ça t'appartient parce que c'est ton travail, ça t'appartient parce que cette terre, tu l'as travaillée, parce que tu as arraché les genêts, tu as arraché les petits châtaigniers, tu as récolté les châtaignes, tu as soigné les châtaigniers, tu as fait cette terre, tu as planté, tu as mis du fumier, t'as fait les chèvres, t'as fait les tomes. J'en ai fait plus que le gars qui habite à Lyon et qui vient me dire 5 ans après, cette terre m'appartient parce qu'elle était à mon père. Elle était à son père. Son père, il avait des droits dessus parce qu'il a travaillé cette terre. Elle n'est plus à lui parce qu'il n'a pas travaillé. Et très souvent, quand il y a eu des conflits, ça, c'est parti de la notion de propriété. La propriété pour la population locale, c'est le bien des ancêtres qui est sacré, alors que les néo-ruraux revendiquent le fait que la propriété soit
dévolu à celui qui travaille la terre. D'ailleurs, un certain nombre mènent un combat au niveau juridique là-dessus pour faire évoluer le droit de propriété et faire en sorte que des terres qui sont abandonnées par des héritiers qui ne s'en occupent pas puissent être attribuées à des néo-ruraux qui arriveraient et qui se mettraient à les travailler. Et donc évidemment pour les paysans locaux, dès qu'ils voient des néo-ruraux par exemple mettre des clôtures pour éviter d'avoir à garder les troupeaux comme ça se faisait traditionnellement, ils assimilent ça à une volonté de s'emparer de leurs terres, et donc ça devient très très rapidement conflictuel. De même, il y a beaucoup de conflits aussi d'usage, mais c'est surtout une question de valeur. Et puis de conception, par exemple, du métier de paysan. Les néo-ruraux donc apportent de nouvelles pratiques en matière agricole. Par exemple, la pratique totalement nouvelle consiste à étendre en fait le métier de paysan vers l'aval, à la transformation du produit, puis à la commercialisation, et même parfois à l'accueil de touristes, etc. Et donc ça c'était complètement contraire à la mentalité locale, dans laquelle il y avait par exemple une opposition très forte entre paysans, commerçants, donc était pas envisageable que le paysan puisse vendre une partie importante de sa production. Or, les néo-ruraux donc ont inventé ce nouveau modèle qui leur permet de créer une plus-value sur le produit brut et ainsi de vivre sur de petites surfaces. Parce qu'au début, donc n'étant pas non plus très nombreux, ils pouvaient en fait travailler que de petites surfaces. Et donc c'est quelque chose de totalement nouveau et qui au départ donc n'est pas accepté. Sans compter aussi les nouvelles cultures qui sont développées, comme les petits fruits par exemple, ou le fait de revaloriser des cultures anciennes, comme la châtaigne par exemple, ou certains cépages de vignobles. Donc ça c'est totalement nouveau et ça s'oppose complètement au productivisme. Et on est dans une période où l'agriculture est peut-être le domaine qui est entré le plus tôt justement dans les 30 glorieuses avec leur productivisme. Et donc les néo-ruraux arrivent complètement à contre-temps, alors que la profession agricole vante aux paysans locaux justement ce même productivisme. Et beaucoup de néo-ruraux donc qui ont dû, pour pouvoir avoir obtenir des subventions comme la dotation aux jeunes agriculteurs, passer des brevets en agriculture, ont été très choqués par l'enseignement qui était dispensé dans les centres de formation professionnelle agricole ou dans les maisons familiales rurales, qui était un enseignement, évidemment, l'enseignement d'une agriculture productiviste qui se faisait à coup de produits chimiques, d'engrais, de pesticides, etc., de machines. D'ailleurs, l'enseignement était au départ très peu adapté à une population venue de la ville. Et donc ça crée d'autant plus dans les centres de formation des réactions très vives de la part des néo-ruraux. Il n'y a eu que deux centres de formation, deux CFPPA sur 36, qui ont proposé donc des enseignements adaptés à un public qui n'était pas d'origine agricole. Des enseignements un peu innovants, mais dans la grande majorité des cas, donc toute la profession agricole était dans l'idéologie productiviste et c'était en totale contradiction avec la démarche des néo-ruraux qui venaient précisément à la campagne pour fuir ce productivisme. Pour moi, il est aussi possible de travailler sur des petites surfaces parce que je transforme ma production et c'est cette valeur ajoutée qui me permet de travailler sur des petites surfaces et d'avoir une activité qui est viable, au même titre que des exploitations qui sont plus importantes en surface. Les néo-ruraux, donc, en inventant un nouveau type d'agriculture, se sont contentés finalement de petites surfaces. Ils ont compensé l'étroitesse des surfaces par la plus-value créée par la transformation des produits et leur commercialisation, en visant notamment une clientèle urbaine, touristique. Du fait qu'ils étaient originaires de la ville, ils ont pu voir quelles étaient les aspirations des populations urbaines liées justement à un retour à la nature. Chasse aux sangliers tous les deux. Et les collègues sont arrivés avec les chiens. Ils ont fait 30 mètres, ils ont passé, et derrière eux, il y a un sanglier de 70 ou 80 kilos qui est parti. Et moi, le sanglier, je ne l'ai pas tiré, je lui ai crié, il est pour toi.
tarte. Et je l'ai tiré. Et je l'ai tué. Carreau. Ça fait partie de la chasse. Mais il faut bien faire attention. Dans la manif contre le gaz de schiste qu'il y a eu là, on s'est associé avec la Frapna, avec les écolos, avec autres. Mais avant, on avait une petite guéguerre avec eux. Aujourd'hui, on est ensemble pour lutter contre quelque chose de sérieux. Mais ce n'est pas pour ça que demain, notre petite guéguerre, on ne reprendra pas. Hein. Alors, il y a un conflit qui est très récurrent, c'est le conflit au sujet de la chasse. La chasse, donc, ça fait partie de l'existence même des paysans. C'est très lié à l'agriculture et c'est vraiment une pratique aussi identitaire chez les paysans. Et il se trouve que les néo-ruraux, donc étant installés dans les espaces les plus reculés, parce que les plus désertifiés, se retrouvent finalement à partager le même territoire que les sangliers, par exemple. Et donc forcément que les chasseurs ils vont justement éliminer une partie de cette population de sangliers. Et donc les néo-ruraux ne supportent pas de voir, et c'est la loi qui le permet, hein, la loi Verdeil de 64, de voir les chasseurs arriver sur leur propriété à 150 mètres de chez eux, puisque la loi permet de chasser même sur des propriétés privées. Ils ne supportent pas ça. Certains donc même prennent une carabine pour viser les chasseurs. Et puis de l'autre côté, donc la population locale, mais aussi les enfants de cette population qui vivent dans des villes moyennes, pas très éloignées, et qui reviennent le week-end justement pour pratiquer la chasse, perçoivent cette activité comme un moyen de réaffirmer finalement leurs droits sur le territoire. Donc ils viennent un peu exprès chasser justement près des habitations occupées par les néo-ruraux pour justement réaffirmer leur appartenance au pays. La chasse donc est une activité donc qui a des ressorts beaucoup plus profonds et c'est vraiment une opposition qui demeure culturelle entre néo-ruraux et population locale. On voit pas de néo-ruraux pratiquer la chasse et d'autre part ça dérive très rapidement vers des conflits politiques. Parce que beaucoup d'élus locaux sont élus dans les deux instances, c'est-à-dire sont à la fois souvent maires et puis présidents, par exemple, d'une société de chasse. Un mandat confortant l'autre. Et donc les conflits entre écologistes et chasseurs se traduisent sur le plan de la politique locale, avec voilà des oppositions de listes et les élections locales peuvent se faire sur justement une liste pro-chasseur et puis une liste voilà anti-chasseur. Et c'est même ça se produit jusqu'à des dates très très récentes, même au début des années 2000 encore. Donc il y a dans des communes où justement le thème de la chasse était déterminant pour l'issue des élections. Bernard Lambert, ces élections aux chambres d'agriculture de 83 représentaient un enjeu nouveau par rapport au précédent scrutin. La conquête interne des chambres d'agriculture est une chose, ce n'est pas négligeable assurément, on y insufflerait une autre orientation. Mais l'essentiel, je prends le développement, le productivisme à outrance, qui est anti-économique très souvent. L'essentiel, comme les chambres d'agriculture y jouent un grand rôle, c'est de remettre ça en cause. Pour faciliter leur intégration au milieu local, qui était assez difficile donc compte tenu de leur extériorité, puis surtout de leur extériorité à la profession agricole, les néo-ruraux donc, ont utilisé parmi un certain nombre de vecteurs, le vecteur syndical. Un certain nombre d'entre eux, donc, qui étaient soucieux de se rapprocher des paysans locaux, ont adhéré au syndicat majoritaire qui est la FNSEA, donc, la Fédération nationale des exploitants agricoles. Ils sont souvent devenus donc, des responsables et ont mené des actions en militant pour la revalorisation d'un certain nombre de cultures. Un néo-rural donc, qui illustre bien justement cette intégration, Jean-Paul Rennes, est devenu donc, président de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. En 2001, et c'était totalement inconcevable au début de ces migrations néo-rurales de voir un éleveur de chèvres prendre la tête de la chambre d'agriculture, alors que c'est justement ce type d'élevage était totalement méprisé, ce type de production était totalement méprisé par les agriculteurs locaux.
Mais la majorité toutefois des néo-ruraux donc, ont adhéré à un syndicat opposé donc, à la FNSEA, qui était le syndicat des paysans travailleurs, qui prenait une vision syndicale non corporatiste, mais ouverte sur la société, qui développait l'idée selon laquelle la lutte de classe traversait aussi le monde agricole, ce qui était complètement nié par le syndicat majoritaire. La FNSEA, en accord avec le pouvoir, développe l'idée que tous les paysans sont des petits chefs d'entreprise intéressés au développement de la société industrielle capitaliste. Cette croissance est surtout celle de firmes agroalimentaires, Nestlé, Olida, Gervais Danone, etc., qui, pour leur propre intérêt, font des petits et moyens paysans des travailleurs à domicile. La lente découverte de cette réalité a conduit de nombreux paysans à s'opposer aux thèses de ce syndicat patronal, et à constater que leur propre lutte de travailleurs rejoint celle des ouvriers dans la lutte anticapitaliste. C'est au travers de ces luttes qu'ils quittent la FNSEA et s'organisent dans le mouvement paysans-travailleurs. Donc les membres de ce syndicat ont développé beaucoup de formes de résistance concrète à l'agriculture productiviste. Et ils ont su, par exemple, détourner des dispositifs qui avaient été créés par la loi d'orientation agricole de 1962, comme par exemple les groupements agricoles collectifs, les GAEC, qui au départ étaient destinés à favoriser l'agrandissement des exploitations. Ils ont utilisé donc ces dispositifs pour permettre, par exemple, à la femme d'avoir un salaire et d'être inscrite à la mutualité sociale agricole, ce qui n'était pas le cas dans des exploitations traditionnelles, où ils ont utilisé par exemple les coopératives d'utilisation du matériel agricole pour faire de l'agriculture collective, mais dans un autre sens que le sens qui était souhaité par les lois d'orientation agricole qui relevaient de l'idéologie productiviste. Les néo-ruraux, donc, qui au départ n'étaient pas majoritaires dans ce syndicat des paysans travailleurs, l'ont de plus en plus influencé à partir de la période de la lutte contre le camp militaire du Larzac. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont vraiment apporté la coloration actuelle de ce qui est devenu la Confédération paysanne, qui était au départ le syndicat des paysans travailleurs. Donc ça a été un vecteur d'intégration très important. Et donc ces néo-ruraux dans le syndicat des paysans travailleurs ont eu une influence aussi sur la FNSEA. Et d'ailleurs, quand Jean-Paul Rennes est devenu président de la Chambre d'agriculture, il a essayé de nouer des liens avec les paysans travailleurs. Donc il y a eu quelques rapprochements. Et puis lorsque les syndicats traditionnels finalement ne pouvaient pas répondre à leurs préoccupations précises, les néo-ruraux n'ont pas hésité à créer eux-mêmes des associations, par exemple sur le développement de l'élevage en Cévennes, pour développer par exemple l'homéopathie vétérinaire, pour aussi promouvoir l'élevage comme un moyen de lutter contre les incendies de forêt par exemple, ou pour lutter contre l'implantation des résineux qui étaient voulus par les pouvoirs publics dans les espaces désertifiés. Il n'est pas indigne d'avoir d'autres fonctions que la fonction nourricière de la société. Et là, on a mis du temps à débloquer, déverrouiller psychologiquement les choses. On s'y est pris en présentant les plans de développement durable ou les mesures agro-environnementales d'un point de vue du système, de l'efficacité du système économique des exploitations. Si on prend l'exemple des ovins, comme il n'y avait plus d'anciens pour garder et de jeunes pour garder les troupeaux, et qu'on garde à vue qu'on a énormément d'espace, les montagnes, elles se sont embroussaillées. Bon. Petit à petit, le nombre de journées bergerie et le nombre d'unités fourragères achetées à l'extérieur pour nourrir ce troupeau ont augmenté. Quand arrivent les opérations agri-environnementales qui disent « faites des clôtures pour gérer vos surfaces », les unités fourragères qui vous coûtent très cher et qui vont vous coûter de plus en plus cher que vous achetez, vous allez les retrouver dans le redéploiement sur l'espace, sur les montagnes et sur les landes. Les bêtes, au lieu de les rentrer le soir, on les laisse dans les parcs, on les oblige à gérer la végétation. Les élections ont été effectivement un moyen aussi d'intégration très important, même si parfois elles ont été conflictuelles.
Les premières élections donc ont lieu en 77, et là donc les néo-ruraux donc ont commencé à créer des listes. Selon les cas, c'était des listes où ils étaient soit tout seuls, ou alors dans les communes où la population locale s'était relativement maintenue, ils ont constitué des listes avec un pôle contestataire de la population locale, ce qui a permis en fait l'arrivée dans les mairies, dans les conseils municipaux de néo-ruraux. Le premier maire néo-rural a été élu en 1983 dans un village qui s'appelle La Boule. Et puis ailleurs, donc, là, dans les communes qui étaient très désertifiées, où il n'y avait presque plus de population locale, des néo-ruraux sont devenus maires. Et dans les communes où la population locale s'était maintenue, on a vu arriver à partir de 83 de nouvelles équipes. Il y a eu un profond renouvellement des équipes municipales en 83, parce qu'il faut savoir que la plupart des équipes étaient en place, des maires étaient en place des fois depuis 1946. Et donc 83 était vraiment un profond renouvellement. Et on a eu des listes de panachage donc entre pôle contestataire de la population locale et néo-ruraux. Il faut savoir que dans la population locale, il y avait aussi donc des jeunes qui ont été aussi touchés par quand même mai 68, même si c'était d'une manière peut-être plus indirecte. Et puis il y a eu tout un mouvement d'enfants de paysans qui, après avoir fait des études, enfin, souvent d'agronomie, avoir commencé leur carrière professionnelle en ville, sont revenus sur l'exploitation de leurs parents, en voyant que des néo-ruraux issus de la ville pouvaient réussir en transformant le modèle agricole qui existait jusque-là. Et par contre, alors dans certaines communes, il y a eu des oppositions qui ont duré beaucoup plus longtemps, les néo-ruraux sont entrés que dans les années 2000, par exemple, dans le conseil municipal dans quelques communes. Donc les situations sont assez variées. L'intégration s'effectue aussi à travers une relation assez ambivalente des néo-ruraux, à la fois avec les pouvoirs publics et avec la population locale, puisque par exemple, les néo-ruraux se voient confier un certain nombre d'études par les pouvoirs publics sur des politiques du fait qu'ils ont un niveau socio-culturel relativement élevé, et puis eux-mêmes sollicitent les pouvoirs publics pour obtenir des subventions à leurs associations. Mais à l'inverse, les néo-ruraux se sont énormément donc mobilisés aux côtés de la population locale, et ça a créé justement, c'est un moyen aussi de créer une solidarité avec la population locale, contre de grands projets qui étaient portés soit par des investisseurs privés, soit par des pouvoirs publics. En particulier, donc, ils ont beaucoup milité contre un tourisme de masse qui était promu par l'Office du tourisme et par le département de l'Ardèche, qui faisait une intense campagne médiatique sur les gorges de l'Ardèche, en particulier aux Pays-Bas et en Belgique, qui a entraîné un afflux considérable de touristes, mais même des implantations de néerlandais qui en sont venus acheter même des villages entiers, ce qui a entraîné des réactions, un certain nombre de réactions très, très vives de la population. Et donc les néo-ruraux se sont mobilisés contre ce type de tourisme pour promouvoir un tourisme diffus. Et ils ont fini par être finalement entendus par les instances départementales, puisqu'il y a eu des états généraux du tourisme en 75 qui ont finalement un peu réorienté la politique du département vers un tourisme qui profite davantage au développement local et à la population. Et puis ils se sont beaucoup mobilisés contre des grands projets portés par les pouvoirs publics, notamment donc une série de barrages sur des affluents de l'Ardèche qui auraient noyé donc un certain nombre de vallées pour les besoins d'une centrale nucléaire qui a été créée donc sur le Rhône côté Ardèche, donc à Cruas. Et donc là ils ont fourni en fait les troupes à ces mouvements de mobilisation, mais qui sont ce mouvement qui sont partis quand même plutôt de la population locale et des élus locaux, et qui ont été en partie à l'origine du contrat de pays qui a commencé en 76, contrat de pays de l'Argentière Joyeuse Valgorge. En revanche, concernant la lutte contre l'implantation d'une centrale nucléaire, ils étaient plutôt les moteurs de cette lutte, et il y avait moins de participation de la population locale. Voilà, ils ont lutté contre ce type de projet, contre aussi l'exploitation de mines, contre des lignes à haute tension, donc tous des grands projets qui aboutissaient à défigurer finalement le paysage et à priver de moyens d'existence bon, toute une partie de la population, le territoire n'étant envisagé que d'une manière un peu prédatrice. La signature le 1er mars 2010
par M. Borloo d'un permis d'exploitation à Total, GDS US et une société américaine afin de recherche du gaz de schiste dans les sous-sols du sud-est de la France est passé inaperçu. Chaque fracturation consomme environ 15 à 20 000 mètres cubes d'eau. Où sera pompée cette eau? Le dispositif de Grenelle 1 et 2 ne devait-il pas préserver les ressources en eau? Cette technique demande également qu'avec l'eau on envoie dans le sous-sol du sable et des produits dont la composition est tenue secrète, mais dont certains sont très toxiques et cancérigènes. Aujourd'hui, ce type de lutte n'est pas terminé puisque on retrouve beaucoup de néo-ruraux côté de la population locale dans la mobilisation contre l'exploitation des gaz de schiste qui fait l'actualité depuis quelques années. Et donc là, la mobilisation est extrêmement forte en Ardèche, dans le Gard et dans les départements voisins, la Drôme, etc. Donc là aussi, on est un peu dans la continuité des combats pour la préservation de l'environnement, pour la préservation d'un certain mode de vie, d'un certain nombre de valeurs qui sont à l'opposé justement de la prédation et du productivisme. C'est un changement de regard, d'où l'importance de venir de l'extérieur ou quand on est né sur place, d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe pour revenir après. Et certains néo-ruraux donc ont réfléchi à la question, par exemple en se disant la démographie n'étant pas aussi nombreuse qu'à l'époque où par exemple les Cévennes étaient quasiment surpeuplées, il est impossible d'enlever la friche partout où elle s'est implantée. Donc, ce qui, par exemple, pour la population locale, apparaissait dans le paysage comme un reproche, à savoir les genêts en fleurs qui sont perçus un peu comme une peste jaune, c'est-à-dire comme l'avancée de la friche, ça peut être peut-être valorisé autrement. Un néo-rural, par exemple, a créé une association qui s'appelle le Sentier des Lauzes, la lauze étant donc une pierre plate qui sert à la construction des maisons dans les Cévennes. Il a créé cette association pour essayer de faire percevoir le paysage autrement et de le valoriser autrement. Donc, par exemple, cette association donc met en place des randonnées animées ou propose des résidences d'artistes. Et donc, ce qui apparaissait auparavant comme étant le signe du déclin peut être perçu d'une autre façon. Et donc, évidemment, ça suppose de faire le deuil de ce qui a été connu auparavant ou du souvenir qui en a été transmis, mais pour inventer autre chose. Ce que nous enseigne, en fait, cette étude du retour à la Terre, c'est comment l'implantation d'une population qui apporte un nouveau regard peut parvenir, finalement, à revitaliser des espaces qui étaient disqualifiés par l'évolution générale de la société, mais qui, avec l'évolution des aspirations aussi, ont pu se trouver justement à un moment donné requalifiés parce qu'ils répondent à de nouveaux besoins, qu'ils répondent à des nouvelles attentes de la population vis-à-vis de l'espace rural. Les neurones ont été à l'origine de ce changement et ils sont beaucoup énormément investis dans le développement local, dès avant la décentralisation avec les contrats de pays, qui était une expérience de pré-décentralisation et qui était une approche, transversale et non pas sectorielle de l'aménagement du territoire. Et donc, se sont beaucoup investis là et ça a vraiment redynamisé et ça a permis l'arrivée d'autres populations, pas forcément néo-rurales d'ailleurs. Ça peut être des retraités, enfin, ouais. Donc ça a revitalisé une partie de ce qu'on appelle la diagonale du vide, certains espaces de la diagonale du vide, même éloignés des centres urbains, qui connaissent donc un solde migratoire positif. L'apport culturel des néo-ruraux est très important en termes de festivals, d'associations, de bibliothèques, d'activités de loisirs. C'est un des apports majeurs quand même des néo-ruraux. Il y a aussi un apport sur le plan politique en matière de démocratie participative. Lors des premières élections qui ont eu lieu après leur installation, c'était en 77,
Ils ont commencé à exiger plus de transparence, de participer au projet de la commune. Ils ont exigé aussi d'être raccordés aux équipements collectifs, etc. Ils ont mené toute une bataille pour faire rouvrir des écoles, pour étendre le ramassage scolaire, créer des cantines, des garderies, etc. Donc finalement répondre à des besoins qui est au départ des besoins urbains que la population locale ne ressentait pas forcément, puisque dans la population locale, il y avait souvent, par exemple, les grands-parents pour garder les enfants, ou même la population locale préférait parfois que les enfants soient scolarisés plus loin parce qu'elle y voyait peut-être un espoir de promotion plus grand, etc. Beaucoup de valeurs portées par les néo-ruraux se sont diffusées dans l'ensemble de la société par capillarité, finalement. Les néo-ruraux ont été vraiment les initiateurs d'un mouvement, d'une tendance lourde de migration d'urbain vers la campagne qui n'a fait que s'amplifier si on regarde les derniers recensements. On observe par exemple que entre 1997 et 2012, il y a 2 millions d'urbains qui ont migré vers la campagne et qui justement dynamisent toutes ces petites communes rurales, d'autant plus qu'aujourd'hui donc le télétravail offre des possibilités de vivre à la campagne, y compris en effectuant des déplacements d'un ou deux jours par semaine dans une ville qui peut être assez lointaine. Les moyens de transport donc et les nouveaux modes de communication permettent à toute une population, alors qu'il y a des métiers plus intellectuels, de vivre à la campagne. Ils ont peut-être été à l'origine justement de ce mélange entre l'urbain et le rural, puisqu'ils ont voulu retrouver dans le milieu rural certains services dont ils avaient l'habitude en milieu urbain. Et donc la séparation entre le rural et l'urbain est devenue beaucoup plus floue. Et de même, on peut observer que la campagne maintenant s'invite de plus en plus à la ville, à travers, par exemple, l'agriculture urbaine, qui est aussi une tendance qui se développe.